Hachami lui disent, pourquoi quand je ferai, il a besoin de la menorah, il a besoin de la lumière. Quand je ferai, il n'a pas besoin de la lumière. D'ailleurs, c'est écrit que le Shlomo HaMelech, lorsqu'il a construit le Beit HaMikdash, il a construit des fenêtres très petites pour nous apprendre que Hachem n'a pas besoin de la lumière. Parce que la menorah, elle représente la Torah. C'est comme quelqu'un qui investit de l'argent et l'argent, il fait des fruits. Et l'argent, et cet argent-là, il est investi de partout, papa, et ça fait des bénéfices de partout. Une petite peine qu'il a eue à Aaron, parce qu'il n'a pas été invité. Quelle récompense à Kadosh Baruch Hu lui a donné, de tous les côtés des récompenses. Tout de suite, après le deuxième Beit HaMikdash, le Mashiach va venir, et pendant l'exil, quelle récompense. Tout ça pour... C'est pour ça que les Chachamim disent, on n'a aucune idée de la récompense du mitzvah qu'on fait. Surtout lorsqu'on donne la tzedaka à des Bnei Torah, et ces Bnei Torah, ils vont partager leur argent avec leurs enfants. Et ces enfants, ils vont être des Bnei Torah, etc. etc. Et cet argent, il va là, et ça va à des Bahori Shiva, et il y a beaucoup d'émilies qui vont... Quel investissement !